Oh putain! C'est bon. Sortez. Je vous charcuterai pas. Ok, ça gueule pas. Venez par ici. Merci d'avoir fait diversion. Ça m'a donné juste assez de temps pour m'occuper de cette ordure. Tu es blessé ? Cette pourriture était à deux doigts de t'ouvrir comme une truite. C'est le cas, mais tout va bien. Laissez-moi juste reprendre mon souffle et trouver mes fichiers. Tu es Kathleen Lowe, non ? L'inspectrice Kathleen Lowe ? On a trouvé tes vidéos. J'avoue que c'était courageux de ta part de t'en prendre à Mary Kelly toute seule. J'ai pas toujours été toute seule. Mais qui êtes-vous ? Vous faites partie de Dead Sec, c'est ça ? Vous m'avez suivi jusque dans cet abattoir ? Non, pas vraiment. J'essaie de retrouver un ami qui a disparu au CAE. J'ai du mal à croire que tous ceux qui ont disparu se sont retrouvés ici. Et dans cet état. Je suis désolée dans ce cas. Vous avez peu de chances de le retrouver vivant. Les Kelly ont une sale opération en cours. Une sorte de marché noir pour un trafic d'organes humains. Ça fait des mois que j'enquête. Et ils ont mes putains de fichiers. Je me sens vraiment mal. Tu devrais te reposer. Voilà ce que je vais faire. Je vais envoyer quelqu'un qui t'emmènera en lieu sûr. Je resterai ici pour trouver Angel. Je peux même te trouver tes fichiers. C'est quoi au juste ? C'est tout ce que j'ai pu réunir sur Mary Kelly. Presque assez pour la faire tomber. Alors on devrait coopérer. Parce que lorsqu'on en aura fini, Dead Sec va devoir se pencher sur Mary Kelly. Ok. Un agent est en route pour escorter l'inspecteur Lowe. Nous devons trouver Angel, ainsi que les fichiers de l'inspecteur Lowe. J'attends votre homme ici. Et merci pour votre aide. Je suis ravi qu'on collabore. Aucun doute. Cette opération a pour but de prélever des organes. Le clan Kelly découpe les parties qui l'intéressent, puis brûle le reste. Tiens. Malheureusement, aucun d'entre eux n'est donneur volontaire, c'est ça ? Mary Kelly va devoir payer pour tout ça. Oh non, les pauvres. Bagley, tu crois que tu peux faire une reconstruction faciale ? Je reconnais personne. Prenez une photo, que je fasse une recherche croisée sur différentes bases de données. Bon, on va toucher proche. Voilà. Négatif. C'est monstrueux. Juste monstrueux. Il faut absolument qu'on neutralise cette Mary Kelly. Une bonne fois pour toutes. Toujours pas Angel. Elle a pensé à tout. Ces micropuces doivent contenir une sorte de toxine provoquant la paralysie et l'asphyxie de la victime. Une intubation pourrait la maintenir en vie le temps que les chirurgiens s'en occupent. Pas d'Angel. Histoire de préserver les organes en attendant qu'on les prélève. Charmant. Je suis au regret de vous confirmer qu'il s'agit bel et bien d'Angel Lopez. Merde, Angel. Il connaissait les risques. Moi aussi, mais je pensais pas que Dead Sec se retrouverait mêlé à tout ça. Mary Kelly s'attaque aux plus vulnérables de Londres. Cette femme est un putain de monstre. L'éliminer, ça devrait être la priorité de Dead Sec. Maintenant, nous devons localiser les dossiers de Kathleen Lowe sur Mary Kelly et vérifier si mes hypothèses sont correctes. Mary fait-elle partie de Zero Day ? Je vous ferai plus de cochon. Tiens, voilà. Interagir. V
Bien joué, vous avez trouvé les fichiers. Cela devrait plaire à l'inspecteur. Maintenant, il s'agit de sortir d'ici avant de vous faire découper en morceaux. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Sans rire. D'être sec, ici Caitlin Lowe. Je tenais à vous dire merci. J'aurais pu finir cobaye dans un cours d'anatomie à l'heure qu'il est. Ou en petit tas de cendres. Bonne nouvelle. L'inspecteur Lowe a été escorté dans un refuge à proximité où ses blessures seront traitées. Tout ira bien pour moi. Je suis encore un peu étourdie à cause de ce qu'ils m'ont injecté. Et surtout parce que je réalise qu'on a collaboré. D'être sec qui s'associe à la police, je n'imaginais pas ça possible. Enfin, vous n'êtes plus vraiment dans la police, mais quand même. Allez, on ne va pas laisser Marie Kelly infliger ça à d'autres gens. Exactement. Vous avez une organisation, moi j'ai des infos, ainsi que le soutien de personnes influentes. Ce n'est qu'en unissant nos forces qu'on arrivera à la faire tomber. Marie Kelly n'est pas une criminelle comme les autres. Bagley, appelle tout le monde. Nous devons regarder ces fichiers et réfléchir à un plan d'attaque. Je vais me connecter à l'inspecteur Lowe et préparer un briefing. Voilà, bon. On a testé, on a réussi tout ça, hein. Tranquillement. Ah, j'aime bien ce perso. Oh, mais plus souvent jouer celui-là. Il est vraiment bien. Du coup, faut aller là, hop. Et j'ai toujours, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai trouvé une recrue potentielle. Je vous l'indique sur votre carte. Recrue potentielle. Voilà, on peut y aller. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça fera extrêmement plaisir vraiment. Et de partager ma chaîne et mes vidéos. Voilà, c'est que je vous le répète, mais bon. Vraiment, mais ici il se connaît, hein. Vraiment, ici il se connaît. Il suis allé quand je suis allé à Londres, il suis allé ici. Je suis certain d'être allé venir ici. Je crois que ça a été changé un peu, mais je suis sûr ça. Parce que sûr que. Voilà. Et voilà. L'inspecteur Lowe m'a contacté, nous sommes prêts pour le briefing. Prêt pour le briefing? Ok. Vous courez vers le briefing. Ouais. Bonjour, ça va? En fait, j'ai l'impression de pas être à la hauteur. Je fais les résistantes comme ça, mais au fond, c'est du bluff, tu vois? Arrête donc de te rabaisser. Si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Ouais, je comprends. Bon, je ferai semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Bonjour. J'arrive pas à croire que ce soit aussi simple. Je veux dire, y a pas d'examen, rien. On apprend sur le tas, tous autant que nous sommes. L'autre soir, je suis entré dans le réseau des Sœurs. Et ça m'a fait réfléchir. Est-ce qu'on a un plan B si quelqu'un foire? Je veux dire sérieux, est-ce qu'on a une assurance de s'en sortir même? J'entends bien, vraiment. Je déteste de pas savoir dans quoi je me lance. Mais j'abandonnerai pas, quoi qu'il arrive. C'est bien mon petit, que t'es la première recrue. On peut pas que t'abandonnes. Marie Kelly dirige le réseau criminel le plus puissant de Londres, le clan Kelly. Cela ne devrait pas être trop dur à retenir. Quand son père était aux commandes, faut dire que le clan payait pas de mine. Mais quand il est mort, ses ennemis ont commencé à disparaître. Ses amis aussi, sa famille. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Marie la sanguinaire. Très tôt, Marie s'est spécialisée dans la crypto-monnaie et a converti les Kelly au marché du crime en ligne.
Trafic d'armes, blanchiment d'argent, drogue. C'est beaucoup plus simple de faire du business avec de la monnaie virtuelle. À elle seule, Marie a modernisé le crime organisé londonien. Et c'est peu de le dire. Actuellement, elle se prétend intouchable. Les fichiers que vous avez récupérés parlent d'eux-mêmes. Darla Covington, 19 ans. Sacha Haddad, 28 ans. Radek Stopkevich, 24 ans. Tous disparus. C'est difficile de s'entourer de gens compétents en ce moment, n'est-ce pas, mon trésor? La plupart manquent de détermination. Ouais, une tête pas de folle. Parce qu'ils se sentent inutiles, n'est-ce pas, dans un monde aussi cruel que le nôtre, un monde qui les opprime. Ah, c'est abject. C'est bien que vous vous ayez un but. Bon, allez, moi j'y vais. On n'en a pas terminé. Je suis ici. Par pure politesse. Oh, et présenter mes condoléances aux familles. C'est terrible de perdre un être cher. Ravi de vous avoir rencontré, Kathleen. Comme vous le voyez, il est impossible de mener un interrogatoire. Mais je connais un endroit où elle se sent à l'aise pour parler. La résidence Sandstone. Selon l'inspecteur Long, un mouchard de la police placé au QG des Kelly pourrait contenir les preuves dont elle a besoin pour faire accuser Marie. Sandstone est le centre de leurs opérations. Je sais que les données sur ce mouchard permettront de la faire tomber. Trouvez-le-moi, et je vous donne ma parole qu'elle finira en tôle. Je vous envoie les coordonnées sur votre optique. Elle va finir en tôle. Inspecteur Lowe, ici Sabine. Je me demande comment vous pouvez encore imaginer traîner Marie Kelly en justice sans renfort. Même avant qu'Albion ne s'approprie la surveillance, vous n'y êtes pas parvenu, et elle continue à traiter des humains comme du bétail. Je devais obéir aux règles du système. Bien sûr qu'il est corrompu, je le savais d'ailleurs. Mais j'ignorais à quel point. Je pensais que des preuves assez solides ne pourraient pas être ignorées. Ça me paraît très optimiste. Scotland Yard est pourri jusqu'à la moelle. Qu'est-ce qui te fait dire que ça sera différent ? Cette fois, je transmettrai l'affaire directement à un contact au bureau du procureur général. Quelqu'un d'honnête, viscéralement opposé au crime organisé et tout particulièrement à Marie Kelly. Écoutez, nos méthodes sont peut-être différentes, mais je veux aider ces gens autant que vous. Très bien, mais quoi qu'il arrive, il est hors de question de laisser Marie filer une fois de plus. C'est pas vraiment dans les habitudes de DedSec. Allez, direction Sandstone. Ok, et sur Sandstone. Récupérer là. Voilà, c'est de la musique, mon pouf. Surtout, gardez un super héros dans une tenue d'acteur. Du coup, c'est où ça? Oh, c'est loin. Oh. La sécurité ici est à la pointe de la technologie. Quasi impénétrable. À moins, bien sûr, de faire entrer un drone par la fenêtre qu'une andouille a laissée ouverte. Putain, c'était juste. L'appareil d'enregistrement est dans sa salle de sécurité. Pour y parvenir, il suffira simplement d'arpenter quelques conduits d'aération. Mazette, quoi ? Elle fait de ces gens ses serviteurs. Et contre leur gré. Déjà que c'est horrible. Mais c'est mille fois pire quand on pense qu'ils finissent comme donneurs d'organes forcés. Descendre en ce point. Ah. Toi, t'as vraiment un sérieux problème de comportement, tu sais?
pitié. Aide-moi. Sombre crétin. Tu emmerdes tout le monde ou c'est juste moi, enfoiré? Sale petite merde. Voilà. Voilà. Voyons quels enregistrements on a d'elle. Regardez cet endroit. Voilà ce que donne l'argent sale. La famille Kelly exploite la misère des gens depuis tellement longtemps. Toute cette merde déborde de son manoir. Donc vous êtes déjà venu ici? C'est comme ça que vous avez terminé dans la cave de l'incinérateur de Southwark? On avait besoin de preuves irréfutables. C'est pourquoi quelqu'un devait venir et les mettre sur écoute. Je n'allais pas imposer cette tâche à qui que ce soit. Vous avez vu comment Mary Kelly se sert des personnes qu'elle kidnappe au CAE. Et l'uniforme de ces hommes n'est pas difficile à reproduire, donc oui, j'y suis allée. Ce que j'ignorais par contre, c'est qu'elle avait des infos sur notre enquête, sur toute mon équipe. Je pensais qu'agir en solo empêcherait les fuites, mais elle savait quand même qu'on était sur le point d'arriver. Elle m'a torturée pour connaître les membres de mon équipe. Elle a voulu me briser. Mais un flic ne trahit jamais les siens. Le plus drôle, c'est qu'elle connaissait déjà toute l'unité. Elle les a tous fait descendre. Quelle psychopathe. Tu as eu de la chance qu'elle ne t'implante pas une de ses puces. Soit tu te plies à sa volonté, soit tu meurs. Donc j'ai failli terminer en pièces détachées. Encore une raison de vouloir m'attaquer à elle. Mais lui coller une balle dans le crâne ne serait pas suffisant. Mes équipiers sont morts pour la traîner en justice. Je dois leur faire honneur. Ah, mais j'ai mis le truc pour ça, ok. Non, 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 c'est pas la passe... C'est pas la bonne passerelle réseau, ok. Ah, Sésame, ouvre-toi. Voilà. Voilà. Ça va être longue cette mission. Pas facile, hein, putain. Je pense qu'il faut que tout soit bleu là. Ah, faut que tout soit bleu. Attends, je vais passer par là. Je suis ce réseau là.
On ne montrait pas tout le truc en vidéo, hein, le montage, je pense. C'est vraiment long en fait. Wow, 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 wow. Un pouce bleu pour la galère que c'est, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu tout bleu. Ça a l'air d'être bon là. Ah non, c'est encore, il y a encore du rouge là-bas. C'est bon là. Je pense que c'est bon là. Et voilà, c'est bon. Quel état tu es? Regarde ce que tu as fait, et après tout ce que j'ai fait pour toi. Nous sommes des esclaves. Nous le sommes tous. Je vous en prie, retirez-moi ça et laissez-moi partir. Et retourner à ta petite vie pourrie, dans ton trou paumé. Te faire exploiter par un boulot minable et vivoter comme un parasite sur le dos de l'État. Eh ben non, mon trésor. Cette micropuce est effrayante, je sais, mais je dois bien surveiller ma marchandise, n'est-ce pas? Et ça, ce couteau, ça ne sert à rien non plus. Si tu te charcutes, tu me fais perdre mes bénéfices! Je peux plus vivre comme ça! Ah ça, pour une fois, tu as raison. Mais ça va aller, mon ange, parce que j'ai d'autres projets pour toi. Oh la pute! Oh, tout le monde retient la leçon maintenant, c'est bien ça, et surtout faites passer le message. Vous savez quoi faire de la fille. Et vous allez emmener ces deux-là, et me nettoyer tous les autres pour la vente de ce soir. Tout de suite, madame. Au fait, les investisseurs étrangers sont déjà là et les drones ont été programmés. Les invitations et toutes les coordonnées peuvent être envoyées aux invités. Oh, mais c'est qui prendrait des initiatives, le petit Peter? Les initiatives, ça peut être dangereux. Ça peut porter à confusion. On n'est pas aidé. C'est dingue. Okay. Comment Marie a pu se procurer ce genre de technologie? Il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour inventer des micropuces tueuses. Un esprit tordu, certes, mais néanmoins génial. Le profil parfait pour un groupe comme Zero Day, n'est-ce pas? Ses affiliations sont secondaires, Bagley. Elle a réduit tous ces gens en esclavage. Et on dirait aussi qu'elle les vend. Bordel, c'est monstrueux. Ah, c'est à ça que sert la micropuce. S'ils franchissent la limite, elle les vend en pièces détachées. C'est comme une épée de Damoclès pour les forcer à obéir. Deadsec, nous devons interrompre cette vente d'esclaves. Récupérez toutes les informations que vous pourrez trouver.
Le lieu sera indiqué sur les invitations. Elle ne les a pas encore envoyées, mais quand elle le fera... Bagley, surveille les réseaux de drones. Fais-nous signe quand Marie enverra sa flotte. Pour l'instant, il suffit d'être patient. Je vous tiens au courant si j'entends quoi que ce soit qui puisse vous intéresser. Merci, Detzek. Ah, Max, c'est cool. Comment est-ce que... Oh, ça va. Les deux missions principales à faire là. Étant donné que nous sommes en train d'attendre que Marie Kelly nous invite cordialement à sa petite fête décadente, nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel, résoudre le mystère de Zero Day. Qui sont-ils et pourquoi ont-ils fait porter le chapeau à Detzek pour l'attentat? Dis-moi ce qu'on a à Bugs. Merci de me le demander. Aujourd'hui, le grand commissaire Bagley a deux pistes pour ses fidèles acolytes. Évidemment, il faut enquêter sur Albion, mais j'ai une autre piste à vous mettre sous la dent, plus inhabituelle. Il y a ce groupe d'activistes sur le Dark Web, les 404. Mais ils ne font pas ça juste pour le lol, n'est-ce pas? Ils militent pour une refonte brutale de la société par tous les moyens nécessaires. Cela vous semble familier? Bien, j'aime avoir le choix. Je vais en profiter au maximum. Je vous marque les deux sur votre optique. Voilà, voilà, du coup. J'ai une recrue potentielle pour vous. Je vais vous la marquer sur la... Recrue potentielle. Avec sa zone de police. Ok. Je vais aller la voir et on va s'arrêter là. T'as l'air d'avoir envie d'en découdre, toi. Ça te dirait de te battre pour la bonne cause? Vous faites partie de Detzek? J'aurais bien besoin de votre aide. Je vais consulter notre agenda. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami et moi étions dans un groupe qui milite pour une meilleure supervision des activités d'Albion. Mais notre dernière manifestation a mal tourné. Albion a sorti les matraques et il a dû être évacué en ambulance. On m'a dit qu'il était mort, mais ils ne veulent pas qu'on voie le corps. Pas même sa famille. C'est épouvantable. Je veux juste savoir ce qu'il se passe. Lui faire un dernier adieu. Aidez-moi à comprendre tout cela, je saurai vous remercier. Je comprends ton inquiétude. On va voir ce qu'on peut faire. Bien, madame. Voilà, madame. On va faire ça. Du coup, dans l'équipe, on a encore, on a lui et lui. Voilà. Le registre officiel de son ami indique qu'on l'a emmené à l'hôpital avant de mourir. On devrait trouver des infos par ici. Voilà, du coup, nous, on va arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu et... j'attends vraiment d'avoir la fibre. Non, j'ai la fibre décembre, en décembre. Ils m'ont dit maximum fin décembre que je l'aurai. Du coup, j'attends voir ça. Après, je pense que je vais continuer les vidéos, les play en vidéo. Ça me permettrait comme ça, dès qu'il y a les let's play, la chaîne sera beaucoup plus active. Et pour les lives, je pense plutôt aller sur Twitch. Par contre, je vais peut-être faire aussi sur YouTube. Je verrai. Voilà. En tout cas, je vous tiens au courant. Et voilà. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner et de partager. Ça fera toujours extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars. Say we would never break, we would tangle in my bed, you'd take away the space, and the closer you would get, I feel the pain erase. I thought that you always said we would be okay. Things are different, I don't understand when they change. It's kind of funny how the time works in that way. It makes you forget what you used to love.